Même si elle défendait un marquage individuel pratiquement, mais avec un peu plus de justesse, de qualité, elle devait au moins se mettre un peu plus à l'abri en première mi-temps. Mais on va en tenir la victoire, c'est bien. En Coupe du Monde, on aura besoin de joueuses mentalement prêtes. Prête à subir cette pression justement, donc il faut hausser son niveau d'exigence, il faut hausser son niveau mental, il faut hausser son niveau athlétique. On est là pour la Coupe du Monde, on sait très bien sans manquer de respect à cette équipe qui progresse, parce que ça fait quelques années on les a rencontrés et on voit qu'il y a une évolution, en tout cas moi je le vois, mais on sait que la Coupe du Monde c'est encore un autre niveau, donc l'exigence il faut le mettre de la première à la dernière quoi. Quand on marque pour son pays, ça fait plaisir. J'en ai raté deux. Mais ouais, j'ai dit le deuxième, j'ai dit non, une fois pas deux. Ça y est, je suis internationale. C'est magique, c'est magique. Devant ma famille, c'est... Que demander de mieux. Elle doit chanter, elle doit chanter ce soir. Première sélection, et un peu comme si on était au pays, à la famille. C'est trop cool. Contente, il y a la victoire. Après, il y a ce but qui nous enlève ce clean sheet. Mais on va fêter ça avec l'équipe, on l'a bien mérité. On a eu la possession, donc c'est vrai qu'on est tombé sur une équipe uruguayenne en première période avec un bloc bas assez dense. En 90 minutes, on a du temps. Il faut savoir aussi faire preuve de patience, savoir fatiguer son adversaire par la possession, par la circulation du ballon. Mais ça demande de la justesse technique. Et s'il nous manque ça, on est forcément dans le duel. Et effectivement, à ce jeu-là, l'adversaire ce soir était, je ne vais pas dire supérieur, mais beaucoup plus rugueux, c'est sûr. C'est difficile au début, mais au fil du match, on a réussi à scorer et à mettre un écart, donc c'est cool. Une bonne expérience avec des joueurs de haut niveau et beaucoup d'intensité. Et je suis contente. C'est vrai que c'était pas un match facile. On a mis un peu de temps à rentrer dedans et on s'est aussi fait rentrer dedans avec une équipe en face qui a tout fait pour casser le rythme du jeu, mais on n'est pas rentré dans leur jeu et on a su marquer et voilà, en deuxième mi-temps on a essayé de continuer sur cette lancée en essayant de produire du jeu et de finir nos occasions. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir entrer dans ce match et surtout de pouvoir d'avoir mis mon premier but en sélection, ça me fait vraiment très plaisir. Alors ça part sur un débordement de Lindsay Thomas qui centre en premier poteau et moi je viens et je coupe, je passe devant la gardienne. Franchement c'est de la fierté de voir que je rentre et que je puisse m'exprimer en marquant, ça fait vraiment trop plaisir. C'est une date qui sera gravée. Oui, c'était une belle équipe, hein, faut l'avouer, elles ont bien défendu en bloc. Et elles ont su faire les transitions tout ensemble. Ça n'a pas été évident, mais on a su répondre présent. Donc c'est le principal, on a la victoire. Je suis contente, c'est le premier en plus. Donc j'espère que j'ai ouvert le compteur et que ce sera le premier d'une belle série. Et en tout cas, je tenais à remercier l'équipe aussi qui ont été top avec moi. Parce que dans le football, le plus difficile, c'est se créer des occasions. C'est ce qu'on fait. Ça serait inquiétant si on ne s'en créait pas. Après voilà, c'est vrai qu'on a un ratio, je dirais pas mauvais, mais on aurait pu marquer plus, je suis d'accord. Mais la Norvège, j'en ai mis qu'un, ce soir on en met cinq. C'est ça aussi qu'il faut voir, on va pas tout le temps gagner 10-0. Les nations progressent, voilà, je vois toujours le verre à moitié plein et je pense qu'on est sur une bonne lancée. Il faut retenir le fait qu'on a deux matchs de victoire avec un nouveau groupe, avec des choses qui se mettent en place, avec un nouveau système. Je pense que ça serait bien d'être un peu positif. En route pour cette Coupe du Monde, donc c'est vrai qu'on va être loin l'été prochain, mais on sait qu'on va pouvoir compter sur nos supporters. Voilà, j'espère qu'il y aura encore un peu plus de monde mardi prochain. Mais effectivement, le public angevin est tout à la cause de l'équipe de France féminine. Encore un dernier match
on va dire que c'est comme une finale et on se doit à la maison de remporter le tournoi, donc de gagner ce dernier match. Yeah.